Saint-Brévin et ses mégalithes, une vraie passion pour Bernard Sauvêtre. Voilà une belle pierre qu'on appelle les fesses du diable. Tous les Brévinois la connaissent, elle est très particulière. Avec humour, le retraité partage ses connaissances sur les menhirs et les dolmens de sa commune. Il fait partie des 9 Greeters qui proposent des balades originales dans la ville balnéaire, un concept né à New York dans les années 90. Un greeter, ça vient du mot greet, en anglais accueillir. C'est un hôte qui accueille quelqu'un qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît, mais un petit peu comme s'il avait de la famille ou des amis. Et on réserve par une plateforme, mais il accueille un rendez-vous et puis on part pour 1 heure, 2 heures de balade à pied ou à vélo pour chez nous. Et puis c'est parti. Patrimoine architectural ou naturel, 10 de balades gratuites sont proposées. Et aussi, il y a aussi une très belle église qui fait style cathédrale. In forest, yes, it's very beautiful. We did it last. Cette forêt est spring. Très jolie. Nous y sommes allés au printemps dernier, de nous-mêmes, sans guide. It was very beautiful. C'était magnifique. So maybe we want to try. Peut-être qu'on va essayer cette formule. Yes. Direction la plage des Rochelets et ses dunes. C'est ici que Martine Laniel a donné rendez-vous à ses visiteuses du jour pour 2 heures de balade. J'aime beaucoup la nature, en particulier la flore naturelle des dunes et tout son environnement. Donc j'aime bien et je suis contente de partager avec la famille, des amis, des visiteurs. Mais ce qui est typique de ces dunes grises, ce qu'on appelle ici la dune grise qui est stabilisée, c'est les oyas. Moi j'ai pris cette personne pour une guide parce qu'elle est tout à fait compétente, hein, même si elle n'est pas professionnelle. Elle explique bien, puis elle reste à la portée des visiteurs comme moi. Ça fait une petite promenade de l'après-midi, tranquille, mais pendant laquelle on apprend des choses que sinon on n'aurait pas découvertes sur l'environnement qu'on croit connaître assez bien. Ces balades sont proposées toute l'année et de nouveaux bénévoles sont recherchés.